Hyundai Jeanlin Automobile vous présente votre reportage Savoie News. Sur l'info en pays de Savoie, il est 23h. Ce samedi soir, la circulation à 23h était encore dense en direction des stations. Le plan d'action d'urgence a été activé hier en fin d'après-midi. Des lieux publics ont été ouverts à Bourg-Saint-Maurice, Moutier et des dizaines de personnes étaient attendues. À Albertville, une partie des touristes ont passé leur nuit à la salle de la Pierre du Roi, salle René Cassin et la halle olympique a elle été aussi réquisitionnée. Distribution de couverture, d'eau, d'alimentation, une grosse logistique déployée en quelques heures par les services de la ville. Rencontre avec quelques usagers fatigués par des heures de bouchon. Arnaud et Marius. Ah, vous êtes de quel coin ? On est de Belgique. D'accord, et là vous êtes resté coincé ? Ouais, on est coincé depuis de longues heures maintenant. On est arrivé à l'entrée d'Albertville vers 5h. Et on en a eu marre à 9h30. Et heureusement, il y avait cet endroit mis à disposition, donc on a pu en profiter et visiter un peu Albertville. Donc c'était finalement, on a profité d'une chose inattendue pour visiter de la ville et pour manger un bout. Là, l'objectif, c'est d'aller où ? À Pézé-Valandry. D'accord. Ouais, ouais. Et vous imaginez un tel bazar ? Ah non, là pas du tout. Hein. On avait bien entendu quand on descendait que sur la France, c'était difficile à cause des chutes de neige ce matin. Non, ça comme ça, j'ai jamais vu. Je m'y attendais pas du tout. Et on vous a averti, vous avez été informé, non ? Très peu. Très peu. Je trouvais ça des informations relativement floues, notamment sur les informations routières, là, sur le 107.7. Plutôt l'impression que c'était que ça allait se dégager. Enfin, j'imaginais pas que c'était à ce point-là. Alors c'est le préfet hein, qui demande à la ville d'ouvrir des sites d'hébergement d'urgence pour les naufragés de la route. Et donc on a reçu l'information cet après-midi et on a au début commencé à installer les gens juste pour qu'ils puissent se réchauffer un petit peu, se déplacer un petit peu. Et puis comme la situation s'est un peu complexifiée au niveau des bouchons, et bien, du coup on a déclenché le plan en mettant les lits à disposition des gens pour ceux qui ne voulaient pas prendre la route pour la nuit. La mairie est restée ouverte pour rediriger les touristes épuisés. Toutefois, chacun garde le moral et le sourire car les vacances ne font que commencer. Oui, bah, les vacances, ça va être le début demain. Espérons déjà qu'on puisse monter ce soir, cette nuit ou demain matin. Vous venez d'où ? De Lyon, à 13h30. On est parti. Et l'objectif, c'est d'aller où ? À la Plagne. We arrived at Albertville and the city was full, so we could not book a hotel because the road was totally blocked. We could not move to La Plagne for skiing. And then, so there were nice people who said you can come to the gymnastic hall. So we are very happy that we could go somewhere. At what time was it? It was about 7 o'clock, I think. Une régulation très critiquée par les usagers, toutefois indispensable aux yeux de la préfecture pour ce premier chassé-croisé de la saison, où 60 000 véhicules montaient en station, tandis que 45 redescendaient.